Shalom, shalom à toi, bien-aimé de Dieu. Shalom à toi, porteur de grâce, en ce matin encore unis dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En présence de tous nos anges gardiens, de toute la milice céleste, des saints et des saintes du ciel, éternel Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Seigneur, pour ce nouveau jour que tu donnes à tout un chacun de nous. Nous te disons merci, Seigneur, pour ta main déjà qui se saisit de chacune de nos âmes. Nous te disons merci, éternel Dieu, pour tous tes anges que tu envoies camper tout autour de nous. Nous te disons merci, Seigneur, pour tes bontés que tu renouvelles encore en ce jour naissant. Nous te disons merci, éternel Dieu, éternel Roi, pour ta réelle présence dans nos vies, Seigneur, dans les différents lieux où nous nous trouvons. Pour toi qui es en train d'aller au travail, pour toi qui viens de te réveiller, pour toi qui es déjà en train de vaquer à tes occupations, bénis tout simplement le nom de Jésus-Christ. Avec ton ange gardien, bénis tout simplement son nom. Et en ce matin, bien-aimé de Dieu, Jésus vient encore nous inviter au travers de sa parole, à aller proclamer encore sa parole, à parler aux âmes qu'il nous confie de sa parole. Il nous invite à aller semer la bonne graine là où il nous envoie, là où il permet que nos pieds foulent. En ce matin, Jésus te dit au travers de sa parole, va encore en dépit de la pression sociale, en dépit de la pression familiale, en dépit de toutes les situations que tu vis, en dépit de toutes les eaux troubles dans lesquelles tu es, en dépit même de la peur, au-delà même du doute, au-delà même de la crainte, d'aller proclamer sa parole, d'aller parler de ses hauts faits. Pas simplement se limiter ou le limiter à un simple Dieu de miracle, à un simple Dieu de prophétie, à un simple Dieu de guérison, mais bien plus que ça. Parler au travers de sa parole, semer la bonne graine, car sa parole est la bonne graine qui porte du fruit. Alors bien-aimé de Dieu, en ce matin au travers de ce cantique, dis Seigneur, je proclame ton nom, mais je proclame également ta parole. Je proclame ton nom, mais je veux proclamer également l'amour au travers de ta parole. Je proclame ton nom, mais je veux aussi proclamer ta paix, donner de ta joie au travers de ta parole. Je proclame ton nom, mais je veux donner de la consolation à une âme affligée. Je proclame ton nom, mais je veux aussi être un témoignage vivant et authentique au travers de ta parole. Je proclame Jésus, il est le roi dans ma vie de tous les jours. Il est le roi, sa victoire m'appartient désormais. Avec Jésus-Christ, je régnerai à jamais. Je proclame à ton âme, il est le roi dans ma vie. Au travers de sa parole.
Jésus est venu te guérir, t'apporter cette guérison au travers de sa parole. Jésus est venu te sauver et te demande également d'aller sauver une âme, d'aller pêcher des hommes pour son royaume au travers de sa parole. Alors, bien-aimé de Dieu, en ce matin, fais monter également cette prière avec moi. Seigneur, donne-moi d'aller pêcher des âmes pour ton royaume. Donne-moi de pouvoir pêcher des âmes avec amour, de pouvoir pêcher des âmes en leur donnant de ta paix, de ta joie, de ta miséricorde, Seigneur. Donne-moi, éternel Dieu, par ta compassion, de pouvoir ramener des âmes afin que là-haut dans les cieux, il y ait la réjouissance pour ces âmes qui sont revenues à toi. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Hey, hey. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Qu'il soit le roi de ta vie, le roi de ta famille, de ton foyer, le Seigneur dans les différents lieux où tu te trouveras. Alors, bien-aimé de Dieu, je te souhaite de demeurer dans cette paix, dans cette quiétude avec notre Seigneur Jésus. Et je te souhaite de passer une agréable et sainte journée. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.